sec et de ce que tout le monde attend, c'est-à-dire la décision sur les ETF. Alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors là, il est environ 23h30 aux États-Unis et ici, il est en France 6h07. Donc voilà, moi j'ai pas dormi, hein, comme vous pouvez le voir. Ou peut-être l'entendre. Et on va partir sur le BTC si je le retrouve. Donc voilà, je la mettrai peut-être dans la journée cette vidéo-là, mais c'est juste parce que je me fais la réflexion, donc j'ai envie de l'enregistrer. Alors la SEC, on va partir. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense déjà les ETF de la SEC, moi je suis contre. Je pense que c'est pas bien pour le monde des cryptos, je comprends très bien pourquoi le monde de la bourse veut faire un ETF dessus, mais pour moi ça n'a aucun sens. Normalement une réplique indicielle, donc un tracker, c'est une réplique de plusieurs actifs. Donc je sais pas, par exemple, ça aurait eu un sens s'ils avaient pris les 5 plus grosses crypto-monnaies, ou moins, je sais pas, peut-être les 10 ou moins les 5. Et tout simplement en faire quelque chose, voilà, une réplique indicielle qui est sous forme de tracker. Et ça aurait été intéressant. Donc les ETF, c'est toujours moins cher hein, que les. Par exemple, le S&P 500, je crois que c'est 100 fois moins cher. Donc là, si le Bitcoin à 6000, bah, on l'a à 600 en gros. C'est intéressant pour les gros investisseurs. Le truc, c'est qu'on est le week-end. Normalement, alors au début, ils avaient dit qu'ils sortiraient la news le 29. Après, j'ai lu le 30. Alors, j'ai vu deux news différentes. Alors, on va les prendre. Alors, faut dire que sur les news, c'est silence radio. J'étais sur le site de la SEC. On va y aller juste après. Donc là, il y a une news. Alors, je sais pas si c'est vrai. Hein, je prends ça avec des pincettes. Parce que le 22 septembre, c'est le jour où, en fait, ils avaient refusé. Je me souviens plus la date, mais il me semble que c'est le jour où ils avaient refusé pas mal d'ETF. Donc voilà, la majorité en réalité. Il y en a quasiment plus là. Enfin, il y a celui de Van Eyck surtout. Donc ça me paraît bizarre parce que on est dimanche. La SEC, tout simplement, pourquoi elle donnerait une permission sur les marchés alors que ce marché va pulser? Alors que ce qui intéresse les ETF, c'est les marchés boursiers, donc qui sont fermés le week-end. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas faire cette déclaration lundi, parce que si je dis pas connerie, elle a 45 jours pour répondre, une fois qu'elle a lancé sa décision, quoi, en fait, de report. Et elle a 45 jours pour répondre, et si elle dépasse ce délai, enfin, si elle laisse passer ce délai, ça veut dire automatiquement que les ETF vont être validés. À mon avis, tout simplement, ils vont pas faire ça parce que ils n'ont strictement aucun intérêt à faire ça, surtout sur un truc aussi volatile et dangereux que le Bitcoin. Donc pour moi, ils vont reporter. Ça, c'est mon avis personnel. Je peux me tromper, hein, j'en sais rien. Moi, je lis pas dans une boule de cristal, mais mon avis, c'est que je vois pas pourquoi un ETF serait accepté et tous les autres non. C'est ça a aucun sens. Dans ce cas-là, les autres, ils vont dire oui, mais nous aussi, ouais, parce que Van Eyck, ils ont la liquidité en Bitcoin. Pour donc c'est mais les autres aussi en réalité. Donc c'est un petit peu bizarre tout ça. Donc sur Journal du Coin, on apprend que en fait c'est le 30. Donc ils ont encore deux reports. S'ils font un report, ça va nous amener je dis pas de conneries, 45, 22 décembre. Et l'autre bah ça va être à peu près en février-mars. La SEC a beaucoup plus d'intérêt à repousser, alors qu'on est en pleine bulle, a beaucoup plus intérêt à repousser jusque au moins en décembre, jusqu'à la fin de la bulle, quoi, voire en mars, tout simplement parce que la plupart des investisseurs vont plutôt être des investisseurs long terme et certainement plus à la hausse. Bon, faut voir quoi, mais moi ça me paraît un peu compromis tout ça. Alors j'essaie de trouver des news sur le site de la SEC. Alors putain, mais elle les mecs de la NSA là, vous nous écoutez tous, mais vous arrivez à écouter le monde entier et vous n'êtes pas capable de faire un site avec une interface sympa et simple. Putain, mais hey, je vous jure, c'est une vraie galère ce site. Donc là, on n'apprend rien.
Si on apprend que Elon Musk vient de se faire tacler, donc ça c'est pas dans les trucs, mais il vient de se faire tacler, donc ça à mon avis Tesla c'est en train de descendre grave. Sur les ETF, eh bien on n'apprend absolument rien sur les cryptos. J'ai vérifié tout à l'heure. Hein. Je fais pas mal de recherches, hein. Il n'y a absolument rien, c'est le vide intersidéral. Et quand on tombe sur le BTC, eh bien tout simplement c'est des commentaires. Donc c'est des choses qui nous intéressent absolument pas. Donc voilà, rien à dire là-dessus. On attend leur décision, sous quelle manière elle va se faire en plein dans un dimanche. Je trouve ça vraiment d'une étrangeté, leur comportement. Ce qui me fait encore plus penser à un report. Hein. Donc, allez, un petit peu d'analyse quand même. Moi, ça, c'était mon avis. Hein. Désolé si c'est un peu bordélique cette vidéo, mais il est tard, je suis fatigué, vous savez. Donc, on va prendre pinceau. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver si la SEC accepte ben, tout simplement d'avoir un mouvement haussier qui nous emmènerait. Alors, on va peut-être passer en 4 heures, ça va être plus simple. Hop. Yep. Ok, moi j'ai passé en ordre hein, au cas où, mais sans grande conviction, je dois l'avouer. Évidemment, s'il passe pas, je pense que ça va faire déprimer le marché et que là on va vraiment tomber. D'accord? Surtout que voilà, on a quand même des divergences baissières qui sont assez importantes sur ces zones-là, je vous les avais montrées, mais bon, sachez que si ça passe, on n'en a plus rien à foutre des indicateurs. Si ça passe, on est dans l'irrationalité. D'accord? Donc les indicateurs ne servent plus à rien, là on fait vraiment que de la psychologie. Donc psychologiquement, tout ce qui pourrait arriver, c'est sortir comme ça, hop, venir taper ici, faire un pullback, peut-être, pas forcément, remonter. Très fort ici. Allez, vague de conso. Paf. On arrive ici. Ça pourrait être bien. Je pense qu'on pourrait même monter jusqu'au 8005. Imaginons, parce que là, il y a tous les petits poissons qui vont venir. Et après, on va retomber. D'accord? Pareil, en hein, plusieurs vagues, etc. Pourquoi je pense ça? Parce que on pourrait se dire que les ETF vont relancer le marché. Je pense pas que c'est assez une news assez importante pour relancer le marché des cryptos. C'est possible, hein, attention, hein, moi j'ai pas la science infuse, mais je pense pas. Alors, par exemple, imaginons qu'on soit dans ce truc-là. Quand on voit cette trendline, en fait, qui est hyper importante, hein, parce qu'elle est là depuis 2010, à chaque fois les prix ont rebondi dessus. Et à chaque fois qu'on a une bulle, les prix ont rebondi dessus. Donc tout simplement, si on fait ça, hop, on va venir, hop, on va ranger. Ok? Et on va finir par le retoucher. Peut y avoir une autre solution, c'est que on monte comme ça, peut-être même aux 10 000, allez pourquoi pas, soyons fous. On arrive, on retape comme ça, on revient, on fait un pic, hop, on vient le toucher là, puis on montre. Il y a plusieurs solutions, il y en a vraiment beaucoup. Alors évidemment, si les ETF passent pas, ça va être une autre paire de manches. Ça va plus être quelque chose où ça va tomber, évidemment. Et si ça tombe, bah c'est soit le scénario là, soit le scénario de range. Honnêtement, je pense que c'est quand même une news qui pourrait déprimer le marché. Donc les deux solutions, c'est celles que je vous avais données dans les vidéos, où évidemment, on pourrait faire ça aussi. Hein. Un range, tac, 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 tac. Il pourrait encore y avoir une autre solution. C'est que juste avant la décision, des acheteurs s'emballent, ça c'est déjà arrivé souvent, achètent. La news ne vient pas, boum, ça retombe, et là on pourrait repartir dans un range. Okay? Donc voilà, on a plusieurs configs, toutes ces configs là sont valides. Il n'y en a aucune pour l'instant qui se distingue le plus des autres, tout simplement on attend la news. Moi je reste sur mon plan de trading comme si les ETF n'existaient pas, parce que je vous dis, moi je pense plutôt à un report. Et voilà, pour moi il n'y a pas de raison qu'un ETF passe sur, je sais plus combien il y en avait, une quinzaine. Ça me paraît assez bizarre. Ce serait déjà preuve d'un favoritisme. Moi, je suis pour le report. Honnêtement, à 90%, je suis pour le report. Et je suis à 5%. Alors, je suis à 5% pour qu'il puisse passer. 5% pour qu'il soit refusé et 90% qu'il soit rejeté. Donc, je suis vraiment, voilà, tu vois, j'ai choisi mon camp. Je suis 50-50 pour les deux. Et c'est plus le report qui l'emporte pour moi. Pour plein de raisons, hein, je vous dis, prendre une décision pareille le week-end, en pleine bulle, dans un marché qui se cherche, qui est assez casse-gueule somme toute, ça me paraît assez compliqué de leur part. Sachez que là, voilà, les investisseurs peuvent se retourner contre eux, contre la SEC, je pense que c'est ce que craint la SEC au maximum.
enfin tout ce que je vous ai à peu près énuméré là, si j'ai certainement dû oublier des choses, hein. Mais voilà, je pense que enfin, moi je m'attends à ça. Je place quand même un ordre au cas où, mais bon, on verra ça, ok? On verra ça demain. Je ferai une vidéo si demain, évidemment, il se passe quelque chose sur les cours et si on a une bonne news ou une mauvaise, évidemment. Bah, je vais vous dire, bah, c'est tout les gars. Je mettrai peut-être cette vidéo dans la journée et je vous souhaite un bon réveil ou une bonne nuit. Je sais pas trop où vous en êtes, hein. De toute façon, Internet, on fait un peu ce qu'on veut. Allez, ciao tout le monde.